pour l'instant, on est à la campagne, sachez que nous sommes sur la route de la mer. C'est au bord de l'eau qu'on va passer cette émission ensemble, puisque j'ai choisi aujourd'hui de vous emmener sur les routes des poissons de saison, en l'occurrence les poissons d'automne, dont les principaux sont le bar, la sole, la lotte, le cabillaud, tous ceux que vous aimez finalement, mais encore la barbue que vous trouvez en ce moment sur les telles de vos poissonniers. Alors on ira pêcher en Bretagne bien sûr, mais on découvrira aussi un certain nombre de poissons d'élevage dans une ferme aquacole de Méditerranée, tout en cuisinant le bar à noirmoutier. Il est vraiment onctueux. Comme moi. Oui, voilà si tu veux, je n'y avais pas pensé. La lotte dans le nord et même le cabillaud dans l'immense marché de Rungis. Le fameux cabillaud de 4h du matin. Et voilà. C'est marrant, on n'y pense pas à 4h du matin à manger un cabillaud chorizo. Ah si, nous on y pense tous les jours. Vous y pensez? Ah, tous les jours. Comme dans chaque émission, je challengerai un chef. Il s'agira cette fois-ci d'Olivier Belin, spécialiste du poisson. Installé à Plomodierne, dans le Finistère, je lui demanderai à l'inverse de cuisiner un poisson méconnu, pas cher, mais à la chair exceptionnelle à mon avis, la vieille, que j'irai chercher moi-même dans le rat de Saint. Attends, mais aide-moi! Ah, c'est je peux pas! Tu vas étouffer! Ben voilà, on est prêt à partir! Hein. Alors, résumons. Notre voyage maritime, cette fois-ci, larguera les amarres du côté de l'île de Noirmoutier, qui compte à elle seule 4 ports de pêche. C'est en Méditerranée, plus précisément au large de Cannes, que nous en apprendrons davantage sur le poisson d'élevage. Puis direction Rungis, avec à peu près tous les produits de la mer. Et enfin, dans le Boulonnais, nous découvrirons les spécialités et recettes locales. Mais pour l'instant, direction la Bretagne Sud et le quartier maritime du Guilvinec, troisième port de pêche français et le premier port de pêche artisanal de l'Hexagone. Combien de temps entre le filet et l'assiette? Pour le savoir, il a fallu se lever très tôt. Du Guilvinec est en perpétuelle activité, avec 80% de pêche hauturière et le reste en pêche côtière. Ce qui les différencie, c'est le nombre de jours de sortie en mer, la taille des chalutiers et les espèces pêchées. Quoi qu'il en soit, les poissons sont toujours mis en glace dans les cales des navires et parfois congelés afin d'en assurer la fraîcheur. C'est à la criée que tout se joue ensuite, avec en moyenne, par jour, 80 tonnes de poissons pour la pêche hauturière, des tonnes rapidement vendues, puisqu'en 15 minutes, les jeux sont faits. Marailleurs et poissonniers s'y fournissent sur place, le reste des achats s'effectuant en ligne. Et pour remporter les lots, des acheteurs sont également missionnés pour repérer les marchandises. C'est le cas de Charlie Guénec, marailleur de profession. Il y a le 3104, 3105, 3106. Un jargon qui ne parle qu'aux spécialistes de la mer. On est là pour acheter du poisson producteur et pour le revendre à la grande distribution ou aux poissonneries ou aux restaurants. Ce poisson qui a été débarqué hier soir va être vendu à 6h ce matin, va être transformé dans la foulée. Il va partir sur le coup de midi, il va partir sur Rungis, il va être sur les étals du poissonnier demain matin. Comme chaque jour, Grégory Pénarin, directeur de la criée, veille au grain. L'occasion d'apporter quelques éclairages sur cet univers très codifié. D'ailleurs, les choses sérieuses commencent. Il est 6h du matin, les enchères sont lancées. Chaque bateau vend sa pêche, selon une technique bien rodée, la vente au cadran. Un système d'enchères électronique qui assure la clarté des prix fixés. L'enchère va être décroissante. À partir de ce moment-là, c'est le premier marailleur qui appuie sur sa télécommande, donc soit physiquement sur place ou à distance, qui va remporter le lot. Des enchères qui se font à l'aide d'un petit boîtier. Sans cela, pas d'achat possible. Je suis dessus, j'ai appuyé. Je lâche. Si j'ai envie d'un lot, j'appuie dessus. L'objectif, attendre le plus longtemps possible pour faire descendre les prix sans se faire piquer la mise pour autant par ses collègues. Pas le temps de souffler, il est déjà 8 heures, tout a été raflé. C'est à un nouveau manège auquel on assiste maintenant. Quand certains vont se coucher, d'autres travaillent les poissons dans la foulée et d'autres encore partent en mer. Une quarantaine de bateaux pour la pêche côtière cette fois-ci. Une pêche vendue à la criée en plein après-midi. Une débarque qui anime de nouveau le port et les anciens du village viennent toujours prêter main forte. Un spectacle fort apprécié. Grégory, marin-pêcheur, semble très attaché à tous ces rituels.
En général, c'est effectivement ouais, des anciens, donc soit des anciens patrons pêcheurs, des anciens employés de marée, ou des gens qui sont installés localement, là, qui viennent historiquement travailler autour des bateaux. Comme le matin, la vente au cadran permet d'écouler les 10 à 15 tonnes de poissons côtiers. Une criée à laquelle participent plus de poissonniers qui viennent se fournir en qualité extra de la fraîcheur assurée. C'est le cas de Bertrand, poissonnier ambulant, qui vient s'approvisionner ici avant de reprendre la route vers les petits villages alentours. Moi, c'est du frais, c'est pratiquement du marin au, enfin, au consommateur. Je fais que la vente du soir. Le matin, j'achète pratiquement tout. Enfin, je vends pratiquement tout ce que j'achète le soir, comme ça, et le lendemain, ainsi de suite. Comme ça, le consommateur est au moins sûr d'avoir toujours de la qualité. Un peu de répit enfin pour la criée, avant que les bateaux ne se pressent à nouveau pour la débarque. Changement de décor, c'est à Paris que l'on se retrouve et quand on travaille dans le poisson, il faut se lever tôt. Que l'on soit pêcheur ou distributeur. On a rendez-vous à Rungis où les premiers camions commencent à arriver vers minuit. Avec plus de 98 000 tonnes de poissons et crustacés commercialisés par an, le secteur de la marée de Rungis est l'un des plus importants ports de France en termes de volume. Des tonnes qui, chaque jour, trouvent preneur. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre ? Rue des Pêcheurs, quai de l'Orient, ça doit être ça. Et voilà. Allez, en route pour la marée. Maintenant, on va rentrer dans le pavillon de la marée. On va rencontrer Philippe Rémy, qui est l'un des 23 grossistes qui commercent quotidiennement ici à Rungis. Et on va mettre un petit chapeau, parce qu'il va pas faire chaud. Bonjour Philippe. Bonjour Julie, enchanté. Vous aussi, bienvenue, vous avez opté pour un gros chef, merci. Voilà. Voilà, une blouse pour vous. Ah bon? Ça fait combien de temps que vous venez ici à Rungis? Ah, j'ai commencé, moi, en 1978. Ah oui, d'accord, on va voir. Allez, on est parti. Quand on est dans l'eau, on veut que vienne la rage. Qui apporterait du ciel, y a plus qu'un message, qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage. La particularité de Philippe, c'est de vendre principalement du poisson français, issu de petits bateaux reconnus pour leur pêche sélective et de ligne. Alors que plus de 60% du poisson vendu ici provient de l'importation. Quand on est dans l'eau, un petit poisson, un petit oiseau, c'est mis d'amour de teint. Voilà, ça c'est mon stand. Ça, c'est quoi, une dorade? Dorade royale. Ouais. Dorade royale de l'Île-Dieu. Ah, de l'Île-Dieu. Ça, c'est du poisson de Dunkerque. Là, vous avez de la belle lotte de Saint-Guénolé. Après, toute la sole ici, c'est de Noirmoutier. J'imagine que la plupart des poissons que nous consommons, nous, au bout de la chaîne, en tant que consommateurs, quand on les achète chez un poissonnier ou qu'on va au restaurant, j'imagine qu'ils ont déjà fait un sacré parcours. Parce que parfois, on peut être au bord de la mer, c'est ce qu'on entend dire. Le poisson est remonté à Rungis et est reparti sur son lieu de pêche quasiment. Ça arrive. C'est vrai? Ah oui, c'est pas un peu absurde, ça? Si, mais... C'est le marché, c'est le marché. Bonjour. Tiens, je présente Eric. Salut, tonton. Ça va, ma père? Et alors, Eric, il travaille avec vous? Eric, il a deux poissonneries. Il s'occupe de deux poissonneries. Donc Eric, c'est un client. Voilà, Eric, c'est un client. Ah, bonjour Eric. Bonjour Julie. Bonjour. Voilà. Comme je t'ai dit tout à l'heure ou pas? Comme moi, j'ai dit. Coupe la poire en deux. 1 euro. 2 boîtes. Toi, à toi? 11 et 10, 6. Et là, vous avez fixé un prix tous les deux? Ouais. Mais j'ai même pas compris de quoi vous parliez. Vous avez donné des chiffres, des sommes? Il fait. Ah oui, c'est très très codé, hein? Ah oui, oui. Mais il n'y a pas de prix affiché? Ah, t'as pas le droit. On n'a pas le droit? Pourquoi? Ah, c'est la loi d'ici. Aucun prix doit être affiché. Ce doit être mon jour de chance, puisqu'à l'occasion de mon passage parmi eux, Eric, le poissonnier, pourtant si affairé, tient à m'offrir un peu de son temps. Et entre nous, rien de mieux qu'un poissonnier pour cuisiner les produits de la mer. On va faire un dos de cabillaud clouté au chorizo avec une petite sauce vierge. Oh, j'adore! Une recette toute simple. Ah, bah, le poisson, c'est meilleur quand c'est simple, hein.
Bon, je vous laisse installer de quoi faire la recette. Et on se rejoint juste là. Là dehors à l'entrée ? D'accord. Bah, je continue mon tour. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Eric. Salut Philippe. Il est beau le thon rouge. Enfin, moi j'en mange pas, mais chacun sa religion. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Je regardais votre thon là. Oui. Il est beau, hein. C'est beau poisson, hein. Mais aujourd'hui on n'en pêche plus beaucoup du thon rouge. Hein. C'est devenu assez rare, non? C'est devenu rare. Il faut mieux que. Aujourd'hui on a un quota en Méditerranée qui était à peu près 72 tonnes pour cette année. 72 tonnes par an? Ah oui. Ah, oui, c'est très peu, hein. C'est très peu, oui, mais c'est très bien. Oui, c'est pour lui permettre de se reproduire. Parce que sinon, on n'en aurait pas du tout. Bien sûr. On n'en aurait plus. Quoi. Celui-là vient de Méditerranée ? Oui, ça c'est pêché en face de Port-Vendres. D'accord. Et c'est pêché comment ? À la ligne. Ah oui, c'est que des thons à la ligne aujourd'hui ? Tous les poissons sont pêchés à la ligne, ils sont tous répertoriés. Mais laissons notre grossiste à ses affaires, et d'affaires il ne manque pas ici, puisqu'environ 15% de la consommation nationale y est commercialisée. Il est temps d'aller rejoindre Eric pour une cuisine sauvage, une grande première et de l'improvisation totale pour notre poissonnier. Oh, dis donc, plus vite que l'éclair. Ça y est, c'est prêt. Tout est possible à Rungis. Ça y est. Carrément dressé une cuisine extérieure comme ça. Ça y est. Ouais, c'est... Oh, c'est top, ça. Tu fais ça souvent? Non, c'est la première fois. Alors? Comme c'est un cabillaud français qu'on a à la peau, ce qu'on fait, c'est qu'on pose un petit peu avant, un quart d'heure, on pose le cabillaud sur du gros sel. La peau, elle va sécher, elle rend son eau. Et à la cuisson, elle va devenir un peu croustillante. C'est comme une sorte de pré-cuisson, finalement. Voilà, ouais. Pourquoi tu prends du chorizo congelé ? En fait, on triche. C'est-à-dire que je fais des petits bâtonnets que je mets au congélateur. Comme ça, pour les enfoncer dans la chair. Sinon, ça se... Voilà. Sinon, ça rentrerait pas bien. Voilà, un peu d'huile d'olive. Bon, là, il fait froid, elle est un peu figée. Enlever l'excédent de sel. Voilà, voilà. J'y vais ? Voilà, c'est bon. Voilà. Et voilà. Alors, l'idéal maintenant, c'est de ne plus le toucher. Et à mi-cuisson, on couvre pour avoir une cuisson unilatérale. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de problème d'aération. Ouais, voilà, ouais. Niveau haute, on est bon. Voilà. Là, on est top, là. Est-ce que tu veux que je m'occupe de la sauce vierge pendant Allez. Ce temps-là ? Alors, tomate. Une sauce, ne l'oublions pas, qui a été popularisée dans les années 80 par le cuisinier Michel Guérard, considéré comme étant l'un des fondateurs de la nouvelle cuisine. Elle se fait habituellement avec des tomates fraîches, mais la touche d'Eric s'est d'opter pour des tomates confites, plus pratique aussi au rayon des poissons. Il faut être généreux avec les herbes, au programme, ciboulette, estragon, cerfeuil, toutes finement ciselées. Je vais mettre un peu d'huile d'olive dans la sauce. Oui, en fait, le principe de la sauce vierge, c'est huile d'olive, citron, herbes et tomates, normalement, voilà, hein, c'est ça. Il y a une autre recette aussi qui est sympa comme sauce pour aller avec d'autres cabillauds, comme ça, c'est d'acheter des bonnes tomates, les monder, les épépiner, et les passer au mixeur. Comme un coulis ? Voilà, un coulis, et après on le monte à l'huile d'olive, sel, poivre. C'est tout ? C'est tout. Cru ? Voilà. Ah, c'est pas mal, ça. T'aimes bien la cuisine, hein ? Ben oui, c'est mon premier métier. Et t'en parles bien. Ah bon ? Ouais. Ah, c'est pour ça, oui, parce que t'as quand même des termes. On sent une familiarité avec la cuisine qui n'est pas seulement celle d'un poissonnier. J'ai fait l'école hôtelière, donc il y avait un petit reste. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers la poissonnerie, finalement ? Le hasard. Je suis venu un jour à Rungis et je suis jamais reparti. Carrément. Voilà. Voilà. Et je le verse comme ça, hein, directement ouais, sur le poisson. Dessus, voilà. C'est joli en plus, ça donne de la couleur. Voilà. Hop, voilà. C'est super joli. Très très bonne idée ça. Oh, ça va avec tous les légumes de saison. Hein. Le fameux cabillaud de 4h du matin. Et voilà. C'est marrant, on n'y pense pas à 4h du matin à manger un cabillaud chorizo. Ah si, nous on y pense tous les jours. Vous y pensez. À tous les jours. La texture de chair, c'est plus ferme. C'est délicieux. On est presque dans de la lotte quoi en chair. On la croque vraiment. Mmh.
Pour refaire à la maison les dos de cabillaud cloutés au chorizo et à la sauce vierge, choisissez 4 beaux pavés de cabillaud, si possible français, bien épais et avec la peau, 100 g de chorizo tendre, 1/4 de bouquet des herbes suivantes, cerfeuil, ciboulette, estragon, 20 cl d'huile d'olive, une douzaine de pétales de tomates confites, le jus d'un demi-citron et du poivre. Quelle que soit l'heure, c'est un vrai régal. Mais pour moi, l'heure tourne justement, je dois quitter Eric. Au revoir. Requinqués, quittons ce temple des denrées alimentaires pour continuer notre voyage. Nous voici de nouveau sur la route, c'est en direction de la Vendée que l'on se dirige pour aller cuisiner du bar sur une île au nord de la Vendée, enfin une île qui devient une presqu'île à marée basse puisque je me trouve sur le célèbre passage du Bois qui se découvre à marée basse et qui permet de rallier le continent à l'île de Noirmoutier. Particularité de l'île, un tiers de son territoire est occupé par les marais salants. C'est vrai que c'est une activité qui a toujours été importante ici, qui a beaucoup enrichi l'île depuis le XVIIe siècle et qui est un peu tombée en désuétude dans les années 70. À ce moment-là, une poignée de Noirmoutrins qui avaient compris la valeur patrimoniale et économique du sel les a remis en activité. Et nous, on va rencontrer l'un d'eux. Il s'appelle Louis. Il est à La Guérinière, qui est à peu près au centre de l'île. Bonjour Louis. Bonjour madame. Bonjour. Alors c'est vous l'homme du sel ? Ouais, c'est l'homme du sel, oui, depuis pas mal d'années quand même. Hein. Il paraît que vous êtes le plus ancien saunier de l'île. En activité, oui. C'est vrai. Voilà. Ça conserve apparemment le sel. Oui, on va essayer de continuer encore un peu, quoi. Alors, ce sont vos marais ? Ce sont mes marais. Autrefois, j'en avais beaucoup plus que ça. J'en avais sur la route de Noirmoutier. Mais bon, enfin, on est obligé de lâcher quand même du lest à 79 ans quand même. Vous en aviez combien autrefois ? On avait 106 œillets. Ça veut dire quoi, des œillets ? Alors, un œillet, c'est ça. Vous voyez, c'est c'est un carré, quoi. 7 sur 9. 63 mètres carrés, c'est un rectangle, d'accord. Normalement. Donc là, c'est une succession d'œillets. C'est une succession d'œillets. Il n'y a que là qu'on fait du sel, que dans les œillets. Et alors, comment ça fonctionne ? Par évaporation ? Par évaporation. On prend l'eau à la mer à 35 grammes par litre. Et là, pour que le sel se dépose, il faut qu'il soit à 250 à 300 grammes par litre. Et on l'a fait circuler, on l'a fait venir par à côté du moulin. Et pourquoi faut-il qu'elle circule aussi longtemps avant d'arriver dans les œillets ? Pour qu'elle se charge en sel. Ah, parce qu'elle récupère le sel qui a été déposé auparavant. Voilà, que l'eau qui s'est évaporée, elle, le sel ne s'est pas évaporé, il est resté dans l'eau du fond. Donc rien ne se perd. Rien. Louis exerçait, comme tous les sauniers de l'île, une double activité. Maçon la journée, saunier tôt le matin et tard le soir. Véritable passionné, cet ancien président de la coopérative des producteurs de sel passe encore aujourd'hui, bien qu'à la retraite, une grande partie de son temps dans sa caloge. Ça vient du patois, se caloger, qui veut dire se mettre à l'abri. Calfeutrer un peu. Se tasser, se cacher, se mettre à l'abri, quoi, s'il pleut. D'accord. Voilà ma caloche, ma résidence secondaire. Eh ben, dis donc, voilà. Vous êtes bien là. Ah, vous êtes tranquille. J'ai même mon lit si je veux dormir. Mais je vois ça. Voilà. Il est où votre lit à l'anglaise ? C'est pour avoir la vue sur les marais ? C'est plus facile quand on. Les lits sont trop bas, on est vieux, on ne peut plus se relever. Tandis que là, hop, et puis on se balance dessus, c'est terminé. On voit que vous êtes en active, vous. Hein. Bon, ben merci, Louis. Merci, c'est cadeau un beau cadeau. Cadeau de saunier Noirmoutrin. Maintenant, je mesure vraiment le prix de ce cadeau. Je vous embrasse, oui. Allez, c'est moi qui enlève la casquette. Allez. Et puis, je reviens vous voir dans 20 ans pour le pot de retraite. Voilà. Hein, voilà. C'est ça ? Oui, il n'y a pas de problème. Je laisse Louis, qui connaît les marais comme sa poche, à ses œillets. Le sel dans la voiture, je suis désormais fin prête pour cuisiner le bar en croûte de sel. Une vieille technique de cuisson qui permet au poisson de rester bien moelleux. Il y a le ciel, le soleil et la mer. J'ai rendez-vous avec Jean-Pierre, Noirmoutrin pure souche, qui a la chance d'habiter en bord de mer. Salut Jean-Pierre ! Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bien. Oh dis donc, on t'habite dans un bateau ! On est sur l'eau, on a un escalier à descendre et on est sur la mer.
Oh, ça vaut pas un petit studio parisien, hein, sur le périph', mais quand même. J'ai connu aussi, ah et bon, je peux t'assurer que je suis mieux ici. C'est vrai, ouais, ouais, tu m'étonnes. Barre d'un petit, oh. Pour son bar en croûte de sel et au beurre blanc de salicorne, Jean-Pierre commence par préparer son poisson. Donc là, il est non écaillé. Il n'est pas écaillé du tout. Tu gardes la protection naturelle, mais il est vidé quand même. Il est vidé. Je prends ça parce que j'ai cru comprendre que tu allais l'utiliser. Absolument. Alors, tu peux même en verser un bon kilo et demi dans la jatte. Faire ça, là, à visto des nas. Voilà. Je pense qu'on est bon, là, non? Qu'est-ce qu'on pense? Un peu plus? Non, c'est très bien. C'est bien. La cuisson en croûte de sel consiste à recouvrir entièrement le poisson avec un mélange de sel, de farine et de blanc d'œuf. Il me faut un petit récipient pour mettre tes jaunes. Tu vas pouvoir me faire une petite crème anglaise pour le dessert. Ah non, nous, avec les œufs, on ne fait pas de la crème anglaise, on fait du fion ou de la fionnée. Du fion? C'est du flan. Ah, et vous appelez ça du fion? Ouais, c'est le patois typique d'ici. Mais écoute, si ça te fait plaisir. Ça n'a rien à voir. Mince, alors moi, j'aurais fait l'inverse. Du coup, j'étais perturbée, j'ai fait le contraire. J'aurais fait l'inverse. Les blancs là-dedans, t'as raison. Ouais, tu mets les blancs dedans. C'est ton histoire de fion, là, qui m'a perturbée. Pour l'instant, concentrons-nous sur le poisson. La pâte à sel qui durcira à la cuisson agira comme une sorte de papillote de coque, évitant au bar de se dessécher. Alors, fais ton château de sable. Après, il faut effectivement remonter le château. Hein. Ah, oh là là. C'est important. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça y est, on est sur la bonne voie. C'est vrai? Je crois, non? Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Pas mal. C'est un truc de dingue, ton affaire, là. Toi, t'étais pas très doué, en fait, en château de sable. Non. C'est vrai, moi, j'étais plus douée pour jouer la princesse, tu vois. Mais construire le château, c'est un truc de mec, ça. Et tout à fait. Bon, hé, hey, qu'est-ce que t'en penses pour une débutante? Ah ouais, non, c'est bien. Alors, on met ça au four? Allez. Alors, à combien tu le mets? 200 ventilés. D'accord. Et attention à pas trop à manipuler avec délicatesse, tu imagines. Voilà. Combien de temps? Entre 25 et 30 minutes. Cela va nous laisser le temps de préparer les légumes. D'abord des bonnottes, une variété de pommes de terre nouvelles, spécialité de l'île, qui sont lavées avec du sel, précisément du gros sel. Mais t'as des actions dans le sel de Noirmoutier, toi, ou tu nous descends 5 kilos de sel pour un déjeuner? Alors dis-moi, pourquoi au gros sel? Parce que ça permet de frotter la peau. Ça permet de frotter un peu la peau. D'accord. Et puis ça enlève toute la terre qui est dessus. Pendant que Jean-Pierre blanchit ses asperges sauvages, je rince mes bonnottes. Il faut veiller à bien enlever toute la terre avant de les mettre à cuire. Je les mets à cuire et je mets un peu de beurre dessus. Eau et beurre. Eau et beurre. Donc elles vont absorber à la fois l'eau et la matière grasse. Voilà, en fait le beurre se dissout dans l'eau. Ça va faire comme des carottes glacées, mais avec des pommes de terre. Sûrement. Alors, je couvre. Donc elles cuisent à l'étouffée, à la vapeur quasiment. Ouais. C'est une bonne technique de cuisson, ça. Vas-y. Reste à préparer notre beurre blanc au salicorne, et pour cela, Jean-Pierre fait revenir ses échalotes dans un fond de vin blanc. Et là, je jette. Alors là, t'as préparé ton beurre. Ouais, j'ai coupé mon beurre, de toute façon, il soit bien mou. Le beurre, il faut qu'il soit bien froid, hein, pour que ça crée une émulsion. Tout à fait. C'est drôle parce que les salicornes ressemblent vraiment aux asperges sauvages. Ça ressemble plus à des haricots. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est une bonne idée, le beurre blanc aux salicornes, parce qu'on sait jamais trop quoi faire des salicornes. Tu mélanges? Vas-y, super. Tu vas le servir comme ça ou tu mixes? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon, bah là, du coup, on attend. Moi, je vais noter la recette. D'accord. Pour réussir votre bar en croûte de sel ou votre loubine, c'est comme ça qu'on appelle le bar ici, prévoyez un bar d'1,5 kg vidé et non écaillé, 3 kg de gros sel de Noirmoutier si possible, 7 blancs d'œufs, 3 poignées de farine, du thym et du laurier, 1 kg de bonnottes, 200 g d'asperges sauvages, 250 g de beurre salé, 3 échalotes, 15 cl de vin blanc et 80 g de salicorne au vinaigre. C'est au bord de l'eau que Jean-Pierre m'invite à déguster son plat, reste à savoir si le bar sera bien cuit. Alors, montre-moi comment tu casses la croûte, toi. Alors, il faut avoir un bon couteau. Au-dessus, hein. Il faut avoir une bonne pointe de couteau. C'est pas mal parce qu'en même temps, tu as commencé à lever les filets. Exactement. Ah, joli. C'est spectaculaire. Ça nous rappelle l'époque où au restaurant, on servait au guéridon, tu sais. Ils le font encore dans quelques restaurants. Vrai. Tu vois, tu enlèves la peau. Oh là là, c'est magnifique. Tu as vu comme elle est nacrée, on voit qu'elle est encore humide, qu'elle ne s'est pas desséchée. Parce que c'est vrai que si on l'avait mis au four sans la croûte, ça change tout. On n'aurait pas du tout eu ce côté très lustré comme ça. Hop. Donc ça, c'est le haut du filet, tu vois. C'est vraiment le meilleur morceau. Mmh. Oh bah oui, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment... Il est souple, onctueux, tendre, et en même temps, il y a une vraie consistance. Et surtout, je reviens à ce que je disais, avec cette cuisson, il n'a pas perdu son eau, il ne s'est pas desséché.
Donc il est vraiment onctueux. Comme moi. Oui, voilà, si tu veux. Je n'y avais pas pensé. Alors la petite benotte. C'est étonnant parce que elle est ferme, on dirait presque une châtaigne. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Elle, tu la croques, quoi, vraiment. Tu la croques. Et pourtant, elle est bien cuite, mais tu la croques. Qu'est-ce que c'est bon. Bah, merci, Jean-Pierre. Bah, écoute, c'était un plaisir. Une cuisson qui m'a bluffée dans un cadre magique et un poisson dont je raffole particulièrement. C'est un métier, hein? Salut, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. J'ai d'ailleurs voulu en savoir un peu plus sur le bar, notamment sur ce qui différencie le poisson sauvage du poisson d'élevage. Vous le savez comme moi, pour le voir régulièrement sur le marché, la différence, la plus visible en tout cas, c'est le prix. Alors pourquoi un bar de ligne coûte 2 à 3 fois plus cher qu'un bar d'élevage? La qualité est-elle aussi indexée sur le prix? Bah, pour répondre à toutes ces questions, nous sommes allés à la pêche, dans les rouleaux de l'Atlantique et dans les filets de la Méditerranée, découvrir une ferme aquacole. C'est justement à Cannes, de très bon matin, que nous rejoignons Sébastien Pasta, ancien plongeur, aujourd'hui responsable de cette ferme aquacole, la plus grande de France. Comme tous les deux jours, on fait le point en équipe avant d'aller relever les filets. Bon alors, aujourd'hui on va pêcher des maigres et des loups. On va aller sur le cap, ferme du cap. On va aller pêcher les Phoenix 3 et on va pêcher X-Men 2. C'est ok, les poissons sont à jeun. Donc il n'y a pas de souci pour le conditionnement, on peut les emballer. Allez, on y va. Une société familiale, soucieuse des bonnes pratiques environnementales, consciente de la diminution des ressources et qui a fait le choix de travailler en respectant un cahier des charges bio très strict. Comme quoi, il est possible de parler d'élevage raisonné. Donc on sort du port, on a une petite dizaine de minutes de navigation. Les bassins sont installés en pleine mer, de 300 à 600 mètres cubes chacun, permettant ainsi aux poissons, principalement du loup, le nom méditerranéen du bar, de nager et de se muscler naturellement pour une chair plus ferme. Nous sommes bien loin des élevages intensifs. On a ouvert le filet de protection anti-oiseaux, parce que sinon les oiseaux quand même viennent nous piquer les poissons. Une fois la cage ouverte, on immerge un filet comme ça à lesté, attaché en surface, lesté au fond, ça nous permet de prélever juste une partie de la cage. Un élevage raisonné nous permet d'avoir un poisson qui se rapproche le plus possible du poisson sauvage. Donc là, on va les laisser s'endormir. Ça, c'est un poisson qui a à peu près 2 ans et demi, voilà, en élevage en mer. C'est un poisson qui est issu d'écloseries françaises, donc c'est des bébés qui sont nés en écloserie, qu'on transfère au niveau des bassins en mer, à l'âge de 60 jours, à peu près 60-70 jours. Les poissons sont nourris chaque jour à la main. Ici, pas de pesticides, pas d'antibiotiques ni de gavage, mais une alimentation qui respecte leur cycle naturel. C'est un aliment spécialement conçu pour les poissons d'aquaculture. Donc c'est une fabrication, là aussi, à base de céréales biologiques et de farine de poisson. Des contrôles réguliers de la qualité de l'eau sont également réalisés. Pas de marée ici et quelques mouillages dans les environs. Il faut rester vigilant. Ça, c'est un prélèvement qui est obligatoire par rapport au cahier des charges de l'agriculture biologique et qui nous renseigne bien sur l'état de la mer, l'état de santé de la mer et l'état de santé de l'environnement où baignent nos poissons. Donc je vais envoyer ça en laboratoire. Des précautions imposées pour une qualité irréprochable. Retour à la pêcherie, pas une seconde n'est perdue. Les poissons sont dans la foulée livrés à bon port, principalement des restaurants italiens et pour la grande distribution suisse et régionale, pour ne pas concurrencer la pêche artisanale locale.
Pendant ce temps-là, à 1400 km, dans l'Atlantique, les ligneurs de Bretagne affrontent les humeurs de la mer pour pêcher à la ligne le bar sauvage. Une pêche difficile, parfois même dangereuse, et assez réglementée afin de respecter les périodes de frais du poisson. Le poisson de ligne est la Rolls-Royce des poissons sauvages. C'est à bord du bateau de Gwen Pénarin, artisan pêcheur depuis plus de 30 ans et défenseur de la petite pêche du côté de Bénodet dans le Finistère, que nous embarquons. Par ligne, il y a 200 hameçons. Ça fait 1 km, il y a 5 mètres entre chaque hameçon. Le poisson n'a jamais plus d'un jour de pêche. C'est pas comme du chalut où le poisson peut avoir plusieurs jours de pêche ou pêcher avec des grandes quantités. C'est une pêche vraiment particulière. Avant, un gros bar, c'était 5-6 kg. Maintenant, quand on fait un 3 kg, on dit qu'on a pêché un gros. Moi, quand j'ai acheté mon premier bateau, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, des jeunes de 20 ans qui achètent un bateau, il n'y en a quasiment pas. Un métier qui ne fait plus rêver, trop difficile et incertain, d'autant plus que les marins-pêcheurs ne sont pas toujours suffisamment soutenus dans leur travail. Nous, quand on a mis notre étiquette, on avait demandé à avoir le label bio en plus dans un coin de l'étiquette. Et on nous avait dit à l'époque, vous ne pouvez pas avoir le label bio, tout simplement parce que vous ne maîtrisez pas l'environnement. Quel que soit le type de pêche et qu'il soit d'élevage ou sauvage, tous finissent dans nos assiettes. Alors comment les différencier et s'y retrouver sur les étals? Un petit passage dans une poissonnerie s'impose. Une queue de bar sauvage, elle est beaucoup plus longue, plus striée. Celle-ci est beaucoup plus courte, moins développée aussi. Vous voyez, les nageoires, dorsale beaucoup moins longue. Voilà. Et puis sa robe, où les écailles sont beaucoup plus serrées et plus noires aussi. Là, aujourd'hui, on a le bar d'élevage de Croatie à 14,90. Et pour la même taille, vous avez un bar de ligne qui est à 39,90. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il existe une véritable différence de prix entre le poisson sauvage et le poisson d'élevage. Une différence qui se justifie non pas seulement par la qualité, mais aussi par le temps passé en mer. 8 heures pour les uns, quand les autres n'auront besoin que de 30 minutes pour collecter les poissons dans les bassins. Mais vous l'aurez compris, un poisson d'élevage peut être de qualité s'il est produit de façon raisonnée. Mais pour cela, malheureusement, pas d'étiquetage imposé. Seul votre poissonnier peut vous aider à y voir clair. Changement de décor, sortez les pulls et les cirés, direction le Nord-Pas-de-Calais. Ces plages immenses, on n'est pas rendu, il y a près de 600 km de route. Entre nous, ce ne sont pas les plages qui m'intéressent, mais plutôt Boulogne-sur-Mer et son port de pêche. Le premier port de pêche français avec sa flottille de 150 bateaux. Ce port est le leader européen des produits de la mer. Chaque jour, plus de 70 espèces sont débarquées et traitées à la halle de la marée. Et s'il y a une capitale du poisson, eh ben c'est bien Boulogne. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know. Ce n'est pas précisément au port que je vous emmène, mais dans une sorisserie, lieu où sont fumés les poissons, en l'occurrence le hareng, l'une des grandes spécialités de la ville, qui elle aussi a contribué à sa notoriété. C'est Hervé qui a réhabilité cette sorisserie après 2 ans de travaux. Elle est aujourd'hui l'une des plus modernes d'Europe et il n'en est pas peu fier. Pour conserver le poisson et le transformer en hareng sort, première étape, le salage manuel. Alors ici, nous sommes devant les fosses à sel. C'est la tradition de la rongaison, c'est-à-dire que chaque année, entre fin octobre et début décembre, c'est-à-dire à Saint-Nicolas, les poissons passent devant chez nous. Donc les bateaux, ils sortent le soir, ils font un trait de chalut, 2 traits, 3 traits, ils prennent 10 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes, et nous, on remplit nos fosses. Et les poissons sont salés et stockés immédiatement dans les fosses à sel. Au bout de 21 jours, ils sont gorgés de sel, stabilisés, et on peut les tenir comme ça pendant un an. Ce même poisson se conserve de différentes façons, lui conférant des saveurs bien spécifiques et surtout une teneur en sel variable. À la différence donc du hareng traditionnel, on a le hareng doux. Le hareng doux est un hareng qui a été pêché au large de la Norvège. Il a été surgelé mer, étêté, vidé, décapité et ouvert comme ceci en fond de papillon. Il est donc salé beaucoup moins longtemps. Il est salé 20 minutes. Et ensuite, embroché sur des barres inox, les barres inox sur les chariots dans les fours. Il faut au total 4 jours au hareng doux pour être transformé, salé et fumé.
Au cœur de la cerisserie, 40 fours permettent justement le fumage, tous alimentés par un foyer individuel à la cave. Eh bien, là, nous sommes déjà au siècle dernier. Hein, ces eaux-là, germinales. On est dans le sanctuaire, le Saint des Saints. C'est le foyer. Pour alimenter le feu, Hervé a opté pour une essence caractéristique, se démarquant de ses collègues qui le font traditionnellement avec du hêtre. Je me suis posé la question à un moment, pourquoi les Bordelais mettaient leur vin dans des barriques de chêne? Et j'ai fait des essais. Et le tanin apporte quelque chose de supplémentaire. Et puis, on se différencie aussi. Le chêne, c'est quand même plus noble que du hêtre. Vous savez, il n'y a rien de plus agréable d'avoir des clients sympas qui vous disent « c'est bien ce que tu fais, Hervé, ne change rien, touche pas, change rien ». On ne sera jamais riche, mais on aime bien son métier. Après le fumage, les harengs sont levés en filet avant d'être emballés. Ces dames, ce sont les dernières fileuses. Fileuses qui font les filets et qui sont sur Boulogne-sur-Mer. Parce qu'on est les derniers en France à faire ça. Repartons déjà, mais restons à Boulogne pour aller cuisiner un autre poisson favori des Français, la lotte, qui demeure d'ailleurs l'espèce phare de la criée du Guilvinec en Bretagne, où nous étions plus tôt. C'est pas un poisson bon marché, faut se le dire, mais sa chair, qui est particulièrement ferme et soyeuse, en fait un mets de choix. Et surtout, on n'a pas de problème d'arête. Alors c'est avec Marie-Claude que l'on va cuisiner une lotte au lard et à la bière, une vieille recette boulonnaise qu'elle tient de sa maman. J'étais sur la route toute la sainte journée. Marie-Claude est fille de pêcheur et elle œuvre à la préservation des traditions du Nord, puisqu'elle fait partie d'une association de défense du patrimoine boulonnais. Ça va bien et toi? Très bien. J'arrive sur ta maison perchée, il y a une jolie vue sur Boulogne. Regarde, viens voir. Ouais, Marie-Claude me propose un rapide tour du propriétaire et me fait admirer son point de vue sur la ville, avant de passer aux choses sérieuses en cuisine. Voilà la queue de l'hôte en question. J'ai épargné le cauchemar. Ah oui, c'est-à-dire le découpage de la tête. D'une part, et puis le dépeçage. La lotte, c'est un poisson affreux. Il paraît qu'autrefois, il y a à peu près 100 ans, on les rejetait à la mer parce qu'on ne voulait pas les manger et ça portait malheur. Porte malheur. Oui, j'avais entendu dire ça. Donc là, ils font à peu près quoi? 500 grammes? 500 grammes à peu près. C'est pour combien de personnes? Chaque queue de lotte? 4 personnes. Et toi, tu les laisses sur l'arête? Ah oui. Ma mère, c'était un cordon bleu. Et elle m'a toujours dit, la lotte, il ne faut pas enlever l'os. C'est l'os qui fait le jus du poisson. Donc là, tu vois, j'ai coupé. Alors tiens, tu vas en faire autant. Je te donne le ciseau. Et puis on va enlever le restant des peaux. Tu pars, comme disent les professionnels. Voilà. On va cuire à la bière. Ah bon? Ouais. Ah dis donc. Ah oui, c'est une vraie recette du Nord alors, ah, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Tu sais quoi, je vais mettre un élastique dans les cheveux. Voilà, ce sera mieux pour travailler. Un peu professionnel quand même. Allez Zou, tu as appris en regardant ta maman. Oui. Plus en la regardant d'ailleurs qu'en faisant parce qu'elle ne voulait pas me laisser faire. Mais non, elle avait l'habitude de faire par elle-même. Oui, je retire encore la peau là. Ah oui, oui, oui. Oui, d'accord. Allez, vas-y, bosse ma grande. Allez, enlève. Dis-moi, je continue là parce que tu es sûre qu'il y a encore de la peau? Il faut que tu glisses ton couteau. Ah, mais alors il y a plusieurs couches. Ah oui, oui. Et puis une fois que tu as fini, tu vas la fendre le plus près possible de l'os. C'est pour la farcir que tu fais ça, voilà. Finalement. Là, tu mets quoi? C'est de la poitrine? Oui, fumée, ouais. D'accord. Bon. Tiens. Tu la lardes en quelque sorte, mais au lieu de faire des entailles et de mettre des petits lardons, tu mets toutes des tranches fines. Marie-Claude ajoute de l'ail. Tu mets une gousse par queue. Puis du persil et de la sauge qui parfume le poisson. On le farcit ensuite généreusement de beurre. On peut d'autant plus se le permettre que la lotte est un poisson maigre. Puis, petite touche personnelle de Marie-Claude, elle saupoudre le poisson de piment d'Espelette avant de l'entourer de lard fumé. Je vais l'habiller encore un petit peu à l'extérieur pour lui donner du goût. D'accord.
Ouais. Ah oui, bah attends, et dis donc, moi j'ai mis du lard partout, toi t'as pas fait comme ça? Oh non, moi j'en ai pas mis tant. Si le lard domine de trop, ce sera moins bon. Eh ben, t'auras, on va en mettre que deux. T'auras plus le goût du poisson. Tout à fait raison. La lotte est ficelée comme un rôti. Et là, on va faire un nœud. Et puis après, tu tiens, mets ta main là, tu passes. Et tu serres. Ah non, t'as pas mis ta main. Alors, j'ai pas mis ma main. Alors, si t'as pas mis ta main, ça va pas aller, ça va pas le faire. Hein. Comme ça, voilà. Ah. Et ça suffit. Et je mets en dessous. On ajoute à présent la bière blanche qui apporte une note citronnée à notre poisson. Et au four. Et au four, d'accord. Ça va faire un petit fond de jus, quoi. Voilà. Et là, tu enfournes à quelle température? Là, je mets à 180 degrés. Pendant combien de temps? 3 quarts d'heure. Pour réaliser une lotte au lard à la bière blanche comme Marie-Claude, nous avons besoin de 3 belles queues de lotte, une douzaine de tranches très fines de poitrine fumée, 3 gousses d'ail, du persil, de la sauge, du beurre, du poivre, une pointe de piment d'Espelette et de la bière blanche. Je dresse la table pour 3 personnes, Alain, le mari de Marie-Claude, nous ayant rejoint pour déguster ce rôti des mers. Tu dégages l'arête au tout dernier moment avant de servir, pour que le poisson reste bien moelleux. Merci. C'est très très bon, hein. Ah ouais, mais c'est relevé. C'est marrant parce que souvent les gens qui n'apprécient pas tellement le poisson disent que c'est fade. Et là, tout d'un coup, on a un plat qui a du caractère. Tout à fait, oui. C'est délicieux, vraiment. Le lard avec le poisson, j'avais déjà goûté. Mais avec le mélange d'ail, de piment et la bière, surtout, c'est surtout ça qui fait la différence parce qu'il y a une petite pointe d'amertume. Et comme tu dis, le citron. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça change du vin blanc. Et voilà, il y a Micheline qui nous attend. Je vais chercher ce qu'il faut pour la pêche. Hein. Marie-Claude, Micheline, c'est elle? Ouais, Micheline, c'est elle, c'est ma copine. Merci beaucoup. Oh, mais c'était un vrai plaisir. Le long des golfes clairs. Bye bye. À des reflets d'argent. Bah, je sais pas pour vous, mais moi je quitte à regret ces plages du Nord pour retrouver bien plus à l'ouest la Bretagne. C'est dans le Finistère que je vous emmène à présent. Alors c'est un autre océan avec d'autres côtes et au programme une partie de pêche avant notre dernière recette. Au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur. J'ai rendez-vous avec François Spinec, qui est un ligneur, comme on dit, de l'île de Sein. Je vais donc lâcher ma petite Micheline sur le port d'Audierne, à quelques encablures de la Pointe du Raz et ses falaises de granit. Et je ne sais pas si vous êtes déjà venu ici, mais on ne peut pas rester indifférent à la force des éléments, à la magie qui se dégage de ces lieux. Alors, au-delà d'être la partie la plus à l'ouest du Cap Sizun et le dernier morceau du continent européen avant l'Amérique, cet endroit est totalement magique. Mais bon, entre nous, on n'a pas trop le temps de faire du tourisme, parce que si je veux rejoindre l'île de Sein, il est temps de prendre la navette. Comme Gwen Pénarin, ligneur de bar rencontré en Bretagne, François brave les rouleaux pour pêcher. Bonjour François. C'est d'ailleurs l'un des 2 derniers pêcheurs de l'île de Sein. T'as des longues jambes, toi. Hop. Vu la météo, il va falloir s'équiper. Alors tu pars tous les matins à la pêche, quand le temps le permet, quoi. Bah écoute, cet hiver, ça a été vraiment musclé. Ah ouais. Et tu sortais quand même? Ah non, non. Hein. Ah bah non. Tu prends pas de risque? Non. Je peux te demander de me zipper? Voilà. Ah, ça doit sentir la marée là-dedans. Ah bah écoute, hein. Attends, aide-moi juste à passer la tête. Allez. Attends. Ah bah c'est ça, hein, le marin tous les matins. Attends, j'ai loupé le bras gauche. C'est la plus grosse corvée du marin, ça. Ah bah dis donc, attends, mais aide-moi. Ah, tu vois. Je peux pas. Tu vas étouffer. Bah voilà, on est prêt à partir, hein. Ça y est, j'y suis. C'est dans le nord de la chaussée de Sein que nous allons relever les filets. François les a posés hier. Avec un peu de chance, on devrait sortir quelques belles pièces. Une zone de pêche extrêmement dangereuse. On déplore d'ailleurs plusieurs naufrages chaque année. Zone balisée par 3 phares de renom. Celui d'Armen, il aura fallu plus de 30 ans pour le construire. Celui de Thévenec, un phare dit « hanté ». Et celui de la vieille au pied de la pointe du Raz. Mmh.
walking away. Toi, tu pêches depuis combien de temps? Depuis mes 15 ans, et j'ai 68, alors tu vois un peu. Mais dis donc, normalement, t'es à la retraite, là. Ouais, mais je suis un retraité actif. À quel âge allez votre retraite, vous, les pêcheurs? À 55. Eh oui, pénibilité oblige. Ah, mais qu'est-ce que je vais foutre, moi? Tu t'emmerderais. Bah, tu partirais en mer pêcher pour le plaisir. Ouais, c'est... mais pour le plaisir, c'est pas pareil. Ah, ouais. Moi, je veux être en mer, voilà. C'est ta vie qui est là. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un taco. Un taco. En un autre. Oh, dis donc, on a un bar, non? C'est pas un bar? Un lieu. Ça, c'est le métier, ça. Qu'est-ce que c'est, ces poissons-là? Ça, c'est des vieilles. Ah, des vieilles. Alors, c'est bon, ça, non? C'est le meilleur. Vous demandez à n'importe quel pêcheur quel poisson il préfère, il dira c'est la vieille. Et c'est pareil, parce que ça vaut rien. Vous n'avez ça. Pas une chair. Cotonneuse. Plus fine. Ah oui. En bouche que la vieille. Ah oui. Seulement le problème, c'est qu'il y a une muqueuse qui vient dessus. Ouais. Au bout d'un jour ou deux, donc c'est pas trop présentable. Ah. Il faut les cailler. Ça demande du travail, quoi. Ça demande du travail. C'est vrai qu'on a tous tendance à manger toujours les mêmes poissons, le cabillaud, le bar, qui du coup sont surpêchés. Alors qu'il y a plein de poissons délicieux, qui valent rien d'ailleurs. On parlait du maquereau, mais c'est le cas de la vieille. Et c'est vrai que vraiment, il faudrait essayer chez le poissonnier d'aller un peu au-delà des poissons qu'on connaît. Parce qu'on découvre des goûts, c'est souvent moins cher. Et puis aussi, ça permet de ne pas faire de surpêche. Parce que comme dit François, après tout ça, souvent ça repart à la mer alors que les poissons sont morts parce qu'il n'y a pas de marché. La matinée de pêche va tourner court, le ciel en a décidé autrement. Il est temps de rentrer au port. Le butin du jour et les recommandations de François m'ont bien donné envie de découvrir comment cuisiner ce poisson, pour beaucoup méconnu, la vieille. C'est toujours en Bretagne, à Plomodierne, entre Quimper et Brest, que j'ai demandé à Olivier Belin, 2 étoiles Michelin à l'auberge des Glaziques, de s'y coller. Il va nous donner quelques bonnes astuces cuisinières pour préparer ce poisson bon marché. Voici une recette assez facile à préparer. Une vieille en courbouillon de tomates. Et on aura une cuisson bien spécifique. Ça, nous le verrons par la suite. Pour le moment, on commence par lever les filets, chose que vous pouvez demander à votre poissonnier, qui par la même occasion pourra vous faciliter la tâche en l'écaillant. Poisson méconnu, qui est souvent utilisé en soupe. Et c'est vrai que dans la recette que je propose là aujourd'hui, on va détourner un peu la soupe. Un grand classique de la cuisine bretonne, c'était le ragoût de vieille au petit pot et à la tomate. Voilà. Quand on va dans les vieux écrits et dans les vieux livres, on se rend compte que c'était un poisson qui était utilisé. Seul inconvénient de la vieille, c'est un petit peu comme le congre. Ce sont des poissons qui sont bourrés d'arêtes. Olivier les enlève une par une à la pince à épiler. Mais une fois encore, votre poissonnier pourra vous rendre ce précieux service. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que pendant longtemps, ce sont des poissons qui sont restés poissons frais mais pas nobles. C'est parfait, regardez, la peau est magnifique. Hein. C'est dans la peau aussi qu'il y a le goût du poisson. Chose qu'on oublie souvent. Voilà. Hop, c'est parfait. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, tout de suite, on ne laisse jamais un poisson ni un crustacé à température ambiante. C'est trop dangereux, donc on le met tout de suite au frigo. Bactéries, on ne sait jamais. Maintenant, on va préparer le courbouillon. C'est pas un courbouillon comme on connaît, c'est en fait une petite fondue de tomate. Ce qui est important, c'est le poids de la tomate. Là, on a quelque chose qui fait 300 grammes. C'est exceptionnel. C'est que de la chair. C'est comme de la viande. Il y a très peu de jus. Il n'y a que de la mâche. Là, on va avoir quelque chose de très goûteux. Voilà. Hop. Hop. Olivier ajoute un oignon finement ciselé, une gousse d'ail et commence le courbouillon à froid avec du beurre. Voilà. Et là, en démarrant à froid et en mettant la pointe de sel, vous allez voir, ça va rendre son eau de végétation, ça va juste suer, ça va faire fondre l'oignon. Et ça va pas colorer. C'est très important. 5 minutes plus tard, les tomates sont ajoutées pour 5 minutes supplémentaires de cuisson avec une petite branche de thym. Je vais poser mon petit thym frais. Ainsi que les ouïes et l'arête dorsale du poisson qu'Olivier avait réservé. Et j'allais oublier la petite pointe de poivre. Alors, toujours du poivre en grain quand on fait une cuisson. Le poivre moulu, c'est pour l'assaisonnement direct, cuisson à la poêle directement.
poivre en grain, on va diffuser les parfums sur une cuisson qui va durer minimum un quart d'heure. Donc je mets 2 graines de poivre, pas plus. Voilà, hop. Parfait. Et là, je mouille avec un petit bouillon de légumes. Vous voyez là, petite ébullition. Top. Je réduis. Et là, on va cuire 15 à 20 minutes maximum. Ne reste plus qu'à cuire le poisson avec une technique plutôt inattendue pour un chef 2 étoiles. On ne va pas le cuire ni au four, ni à la poêle, ni rôti, ni poché. On va le cuire au micro-ondes. Alors je vais le couper en deux. Il est salé des 2 côtés, relevé d'une pointe de piment d'Espelette côté peau, d'un petit cube de beurre et d'un peu de bouillon qui a été filtré. Hop. Et donc là, on va filmer. C'est ça l'originalité du plat. Et c'est parti pour 2 minutes à 2 minutes 30 au thermostat le plus faible. Et pour accompagner son poisson, Olivier prépare une garniture au plus simple. De la tomate coupée en tranches épaisses, de l'échalote ciselée, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. À température ambiante, il laisse la tomate rendre un peu de son eau. C'est toujours meilleur selon lui. Au moment du dressage, il ajoute une compotée de tomates confites à l'ail et c'est par-dessus que le poisson prend place. On va juste la poser comme ça. Et là, on finit avec cette soupe. Ce courbouillon de tomates. Quelques zestes de citron, un peu de poivre et le tour est joué. Olivier a magnifié son poisson. Là, ce que j'ai fait, c'est juste mettre ce que ma mère m'a transmis. Elle m'a appris une cuisine de goût. Ça, c'est une cuisine de goût. On a de la vieille, on a de la tomate. Et on a des condiments, des échalotes et des oignons. Et c'est tout. Merci Olivier pour tous ces bons conseils et cette technique de cuisson facile à reproduire à la maison, pour moins de 5 euros par personne. Défi relevé, Olivier a redonné à ce poisson toutes ses lettres de noblesse. Après ce tour de France des belles recettes de poissons, j'espère que comme moi, vous en savez un peu plus sur ce qu'il faut manger, cuisiner, déguster. En tout cas, la cuisine, c'est aussi un laboratoire. Alors n'hésitez pas, mettez-vous au fourneau. Transmettez ce patrimoine qui cimente le cœur des Français. Toutes ces recettes que l'on aime à partager et déguster ensemble. Et puis un dernier conseil, mangez du poisson, bien sûr, ce que l'on connaît, mais n'hésitez pas aussi à goûter les poissons moins nobles, ceux que l'on connaît moins, qui sont également moins surpêchés, moins chers. Mais quand on prend le temps de les cuisiner et de les appréhender, je peux vous dire que ça vaut le coup. À la prochaine !